L'hypnose médicale, c'est de toute façon de l'hypnose, quoi qu'il en soit, mais qui est destinée au milieu médical. Le but, effectivement, dans un premier temps, c'est aussi de rendre pérenne la pratique et puis d'aider le patient à pouvoir accéder à des soins pour lesquels il a beaucoup de difficultés, voire même qu'il peut refuser. D'abord, elle sert effectivement à apaiser le patient, c'est la prise en charge du stress, des patients phobiques, des patients douloureux. Et bien, dès lors qu'on lui propose la prise en charge avec l'hypnose, déjà il y a un apaisement qui est fondamental, qui va transformer son rapport aux soins et donc qui va également transformer la relation interpersonnelle que peut avoir le patient avec son praticien. Une des demandes principales justement de l'utilisation de l'hypnose médicale en odontologie, c'est pour la prise en charge du stress du patient. Dès lors que le stress est apaisé et que le patient se retrouve confortable, eh bien automatiquement on a aussi des résultats sur la réponse physiologique. On sait effectivement que rendre le patient plus confortable, c'est tout à l'avantage du praticien et de son équipe, également pour apaiser le stress de l'équipe si toutefois elle l'est. Le don, tout le monde l'a. Puisque la transe, c'est un phénomène naturel. Ce qui peut être qualifié de don, c'est la voix grave, parce qu'on sait qu'on peut parler directement aux neurones, mais quelqu'un qui n'a pas une voix grave, avec son phrasé, lentement, comme je fais là, ça suffit. Ça marche très bien. En tant qu'outil pur, ça marche sur tout le monde, mais c'est un outil très puissant, disons, à pas confier entre toutes les mains en tant que thérapeute. Ça, c'est hyper important. C'est un outil universel. Souvent, la difficulté de l'utilisation de l'hypnose en odontologie tient du fait que c'est un concept souvent qui n'est pas adapté spécifiquement au chirurgien-dentiste. Là, c'est un concept sur 3 jours qui est véritablement adapté à cette pratique-là. On connaît les difficultés en cabinet, les impératifs, et on s'est adapté au mieux à ça. L'hypnose clinique fait partie des données acquises de la science. Avec Nathalie, on le pratique déjà au cabinet. Je ne saurais plus soigner des patients sans utiliser l'hypnose. C'est quelque chose que l'on applique quotidiennement sur chaque patient et qui a fait ses preuves. En ce qui nous concerne, on a reçu des réponses positives. Lorsque le docteur commence la séance de relaxation, on sent une mise en confiance directe. J'ai même eu des gens qui me disaient « mais j'ai jamais vu ça, personne prend les personnes en charge comme vous dans un cabinet, je me sens bien, j'ai rien senti ». Donc c'est du positif. Tous les praticiens, toutes les assistantes, tout le corps médical est en capacité de pratiquer l'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le process hypnotique, c'est un process naturel. Dès lors que le patient perçoit la philosophie de travail du cabinet et se sent en confiance et crée ce lien qui se met en place dès le départ, ça simplifie considérablement ensuite en présence lorsque le praticien commence le soin. Selon moi, l'hypnose dentaire est incontournable parce qu'on a beaucoup de patients qui ont très peur de venir chez le dentiste, qui ont des comportements phobiques. Là, avec tout ce qu'on est en train d'apprendre, il faut vraiment utiliser les bons mots pour bien capter l'inconscient du patient et réussir à bien le relaxer, parce que le stress du patient, on le ressent toujours, et s'il est moins stressé, nous, on est moins stressé aussi. Dans notre pratique, on travaille plus vite déjà et on est beaucoup moins stressé. Les journées, on est beaucoup moins fatigué. Ça a complètement changé mon état d'être, la prise en charge aussi des patients, parce qu'on le fait de façon beaucoup plus sereine. Donc on fait des soins qui sont de bien meilleure qualité. Moi, je l'ai connu beaucoup plus âgé, mais je trouve que pour les jeunes générations, c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement. Tout le monde est hypnotisable, puisque comme on l'a évoqué, c'est un processus naturel. En réalité, les quelques clés qui sont à connaître vont permettre très rapidement d'être à l'aise avec ça, et ça devient très fluide et très naturel. Je dirais même que c'est presque nécessaire de s'en servir pour son bien-être quotidien et personnel. Nous sommes conventionnés, un établissement de formation conventionné. Nous bénéficions de la prise en charge FIFPL et Acte Alliance, donc autant pour les praticiens que pour les assistantes et les secrétaires, et ainsi que pour les étudiants et les prothésistes, parce que parfois il y a des équipes qui sont complètes, qui travaillent en totalité avec tous les postes, donc c'est pour permettre à chacun de pouvoir intervenir aussi.